আমি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। আমার সবচেয়ে বিষয়টা ভালো লাগে বাংলা। বড় হয়ে আমি একজন টিচার হতে চাই। আমার বাবা মাকে আমি সাহায্য করতে চাই। Pour que des enfants comme Jamilata, Modesto ou Raima puissent réaliser leurs rêves et contribuer au développement de leur communauté, ils ont besoin d'une éducation de qualité qui aille bien au-delà de savoir lire, écrire et calculer. Or, dans la plupart des pays défavorisés, ce n'est pas le cas. Les taux de redoublement et d'abandon sont très élevés. À cela s'ajoutent encore les problèmes plus sévères liés à la qualité de l'éducation. Les systèmes éducatifs un peu partout sont décriés parce que inappropriés, inadaptés aux réalités socio-culturelles des communautés à la base. Repetition without understanding for memorization is the key strategy used in teaching learning process here in Bangladesh. Unfortunately, children are forced to learn by heart the whole solution of a problem, each and every line from the beginning to the answer, without understanding most of the time. And it is only to sit for the exam, and after the exam they don't remember it. El Ministerio de Educación hoy por hoy tiene el 95% de cobertura en todo el país. Pero eso no es calidad todavía. En las aulas todavía encontramos prácticas pedagógicas tradicionales, más en las comunidades indígenas, donde tenemos memoria mecánica, el uso del español, que no es el idioma de la comunidad, la desvinculación de la escuela y la comunidad. Al niño no está visto como sujeto pensante. La formación se está dando sin el conocimiento de la cultura. La desvinculación del padre de familia como sujeto activo de la enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Esto nos está dando como resultado un abandono de las escuelas, repetir grados y una baja tasa de escolaridad. Face à ces insuffisances, l'approche de la pédagogie du texte, ainsi qu'une collaboration entre des spécialistes de l'éducation, des acteurs locaux et l'État, apporte des solutions concrètes et viables. L'enseignement-apprentissage proposé par la pédagogie du texte permet à l'apprenant de s'approprier un certain nombre de savoirs et de savoir-faire pour comprendre la réalité et pour agir, pour transformer cette réalité. Il permet à l'apprenant d'utiliser ces mêmes savoirs d'une façon autonome, c'est-à-dire libérée d'un savoir automatisé, d'un savoir appris par cœur. Et dans ce sens-là, on peut dire que la pédagogie du texte permet à l'apprenant de devenir critique, autonome et capable d'apprendre tout seul. ¿Cómo se realiza la siembra con los rituales? ¿Se la ve? Con los rituales ekchíes. Sabemos muy bien que en castellano debe de ir los signos de interrogación. Ahora en la lengua, o sea que en ekchí no lleva esos signos porque son idiomas diferentes. El bilingüismo para nosotros no es simplemente la traducción de contenidos a otro idioma, sino que hay que dominar, digamos, dos nomenclaturas. O sea que cada idioma, cada cultura tiene su concepto, tiene sus ciencias, y por eso hay que trabajar primero en la cultura propia del niño y aprender su propio idioma, cómo está estructurado, para luego poder también adquirir un nuevo conocimiento, una nueva estructura de una lengua 2. Siempre de la hora falta el elemento por esa. Macanan que oximandre, que es evangelio salval, que ya atna marre, na terura, que ya no me exage, jonil, que catanamit, o catanamit na valja atna marquan. Geruah que es nom singulat lihu, malachon kachik esilan, la yak achikrun gerusi evanquisas. Parler d'interculturalité amène à parler de la nécessaire confrontation entre connaissances endogènes et connaissances exogènes. Et il faut entendre par connaissances endogènes l'ensemble donc des conceptions, des croyances qui sont issues donc des traditions, voilà, des valeurs donc d'une communauté précise. Et les connaissances donc exogènes, ça va être les connaissances qui viennent d'ailleurs, les savoirs et les pratiques. Et ça pourrait être également les connaissances scientifiques, bien entendu, qui viennent aussi d'ailleurs. Bora nagbindu babiri nkargawi shisase pogombo ndatun soka yam yati na bayinga ndatun ban soka yam nge pina ya oto beka boto e papa yela soma e tisi bwebo mane pina kayi pina bran kalnda taba en kaningi kaman mejuda me la mahawa kala mejuda mane yama wuktanda yobe ni sharata be burueta wuktanda tabo ta wukubira tabo ni sharata be burueta wukura biliga ayemre. Et si vous prenez même l'école traditionnelle, on privilégie les connaissances exogènes, alors que celles-ci, quand elles arrivent, elles se superposent aux connaissances endogènes. Et là, ce n'est pas toujours bien. Parce que l'individu, finalement, il marche avec des connaissances qui peuvent être erronées, ça peut être des préjugés, et en même temps, il a des connaissances exogènes, scientifiques. Il ne sait plus très bien quelle est la connaissance qui est la meilleure. Vous voyez. Mais je crois qu'en clarifiant les choses, en montrant que les connaissances endogènes ont des forces, en essayant de détruire ce qu'elles comportent comme insuffisance, comme préjugés, et en les renforçant, n'est-ce pas, et en les complétant par les connaissances exogènes, scientifiques, je crois que là, il y a véritablement un développement de l'individu. Et c'est ça qui va lui permettre non seulement de comprendre le monde, mais de pouvoir agir sur lui. El calendario maya, pues, se tiene que ver mucho con la siembra. Los conocimientos, digamos, de que tiene que ver la luna también, de que esté sazón. Eso es lo que se aprende en el calendario maya. En el calendario gregoriano a veces no podemos encontrar ese conocimiento. Un autre apport de la pédagogie du texte, c'est la mise en œuvre de l'interdisciplinarité. Vous savez que traditionnellement, dans les enseignements-apprentissages, on pense que les disciplines sont cloisonnées. Et donc les enseignements-apprentissages également vont être cloisonnés. Et ça, ce n'est pas tellement conforme à la réalité, parce qu'un objet d'étude est toujours complexe par définition. Donc ce que la pédagogie du texte va proposer, c'est d'éclairer les objets d'étude ou encore les problématiques en faisant intervenir des contenus, voilà, de divers champs disciplinaires. Lo que han observado los niños durante el periodo que estuvieron aplicando los conocimientos en el campo, pues pudieron observar todos los rituales. Pero no solo los rituales, sino que también ellos participaron a hacer la siembra, ayudar a los padres de familia en sus quehaceres durante la siembra. Y es un conocimiento que no debe de perderse para los niños. Por eso ahora el trabajo que les toca hacer a los niños es dejar escrito esa parte que no está escrito, por cierto. Después de que ellos escriban el texto, trabajamos también cómo entra la matemática, cómo entra la ciencia en ese conocimiento de la siembra. Le texte, en pédagogie du texte, occupe une place centrale. C'est l'unité, si vous voulez, didactique, aussi bien pour l'enseignement-apprentissage des langues que l'enseignement-apprentissage des autres disciplines. Comme on l'a appelé pédagogie du texte, c'est que là, le texte a un rôle essentiel à travers cette approche. Il joue un rôle capital. En mathématiques, par exemple, nous ne proposons pas d'emblée des chiffres parce que les chiffres sont abstraits. Dans notre vie, bon, ce n'est pas avec des chiffres bruts que nous travaillons, mais nous travaillons avec des situations concrètes, avec des contextes. Donc vraiment tout ce que nous faisons en tant que genre de texte à privilégier pour l'enseignement de mathématiques, c'est d'essayer de mettre tous les chiffres ou bien toutes les opérations mathématiques dans des contextes à travers des situations de communication pour cultiver cette capacité de l'enfant à résoudre tous les problèmes qui peuvent se poser à lui. Cualquier conocimiento que queramos empezar a aprender, tenemos que partir de un texto, sea oral o escrito, pues no importa. Un premier des principes, c'est de mettre l'apprenant au centre des apprentissages. On voit déjà une certaine rupture avec la vision traditionnelle de l'éducation, dans laquelle généralement on a affaire à un maître qui est le seul détenteur du savoir, et donc qui l'inocule, si vous voulez, à l'apprenant. Alors qu'en matière de pédagogie du texte, c'est une sorte de collaboration entre l'apprenant et l'animateur, et c'est ça qui va permettre d'aller vers la recherche de la connaissance et permettre sa meilleure appropriation par les apprenants. Pour ce qui est de l'apprenant, ce qui est recherché, c'est son engagement volontaire et conscient. Parce que le caractère conscient et le caractère volontaire sont deux facteurs qui peuvent amener à une appropriation beaucoup plus efficace, j'allais dire, des connaissances. L'apprenant donc doit participer activement, par exemple aux travaux de groupe, administrer des questionnaires d'enquête auprès, par exemple, de la communauté. Il doit pouvoir travailler individuellement. Il y a également d'autres aspects comme par exemple apprendre lui-même à évaluer ses progrès, à évaluer le progrès des autres. L'appropriation des connaissances en pédagogie du texte est toujours théorique et pratique. Traditionnellement, on visait surtout l'assimilation des connaissances théoriques. Et là, les enfants avaient des connaissances, ils passaient le temps à les réciter, mais ils ne savaient rien faire en tant que tel. Oui. Donc, avec la pédagogie du texte, il s'agira non seulement de s'approprier les connaissances au plan théorique, mais d'aller jusqu'à leur utilisation dans la vie concrète et dans la communauté. Le processus à travers la pédagogie du texte part toujours de diagnostic participatif. Ça veut dire qu'il faut diagnostiquer avec la communauté tous ses besoins, pas seulement en éducation, en santé, en développement, en économie. Et ces besoins, on les analyse avec cette communauté pour essayer de voir ce qu'on va enseigner dans les centres pour qu'il y ait des retombées positives pour la communauté, pas seulement pour les apprenants. La PDT, elle contribue à l'émergence des citoyens dans la communauté. D'abord à travers le respect de tout ce règlement intérieur et à travers les connaissances et les engagements dans les sciences sociales prises par les enfants appliquées, tout de suite on voit un changement de comportement des enfants eux-mêmes, les apprenants, et ensuite de leur communauté parce qu'ils prennent des engagements pour animer, pour faire apprendre à leurs parents. C'est ça l'éducation. Changer la mentalité de celui qui a appris et changer la mentalité de ceux qui sont avec lui en train de vivre. আমি আমার পরিবারে সাহায্য করতে চাই আর যেমন আমার আব্বুর মাছ বিক্রি করে সেটা আমি আর কি সহযোগিতা করি আমার আম্মুকে আমি সহায়তা করি, থালা বাসন ধুই, আর নানার কাজ। আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কেন থাকবো? আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার দরকার কি? সেটা তারা জানে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়, তবুও তারা যে এলাকায় থাকে তাদের পারিপার্শ্বিকতা, আশেপাশের পরিবেশ, কারণ তারা অনেক পরিবার একসাথে বসবাস করে, দেখা যায় যে অনেক পরিবারগুলো একটা টয়লেটই ব্যবহার করতেছে। এটা মাসিক একটা মিটিং হয়, মাসিক মিটিংয়ের সময় মনে করেন এটা মা বাবা যতজন আসি ততজন এখানে আলাপ আলোচনা করি, রোগ বালাই মনে করেন পড়ালেখার কীভাবে করতে হইব, কীভাবে না করতে হইব, কীভাবে পাই পরিষ্কার থাকতে হইব। তখন দেখা মি বেড়ে রাখা খরাঙ্গা থাকা উইলি দেখুন বুয়ে ওটা ফা বা কমা সিং ওটা সাম্বা হতো ইকি বেও রাখে বুম সাথে লুকু ওমা নুম বেখানা ইউ আর এক ton sa mane biton yakay bumbu ofone we vek biyo le nyak de nyure Un des principes clés de la pédagogie du texte, c'est la formation de qualité de tous les acteurs de la chaîne éducative. Les enseignants, les animateurs, les formateurs, les superviseurs et les formateurs des formateurs. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de travailler avec la pédagogie du texte au niveau des écoles, au niveau des centres, mais il faut que tous les acteurs soient formés et qu'il y ait une formation de qualité pour être en mesure de concevoir des dispositifs d'enseignement-apprentissage qui soient pertinents pour les apprenants. Pour assurer la qualité de l'éducation, nous avons mis sur pied un partenariat avec certaines universités, par exemple au Burkina Faso et en Colombie, une maîtrise en pédagogie du texte pour former des enseignants, pour former des formateurs qui puissent comprendre, bien comprendre les théories de l'éducation et leur implication sur la pratique. La maîtrise insiste sur le lien entre théorie et pratique, car les universités doivent se mettre au service des communautés. Elles permettent également de former des cadres pour qu'ils soient en mesure de mener des recherches, notamment sur les cultures et langues locales, et d'élaborer du matériel didactique adapté aux réalités locales. Au Burkina Faso, au Guatemala et au Bangladesh, le taux de fréquentation dans les écoles utilisant la pédagogie du texte varie entre 90 et 99%. Les taux de réussite sont également très élevés. Des évaluations et des recherches récentes montre que ces résultats sont liés à l'approche pédagogique utilisée. Après 2 mois, les enfants du centre sont capables d'écrire des textes. Mais écrire, pas écrire, élaborer. Élaborer, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser ses propres idées pour faire un texte. Par rapport aux mathématiques, c'est la même chose. Vous allez voir déjà en première année, les enfants sont capables de faire très bien les 2 opérations mathématiques, l'addition, la soustraction. Comme de nombreux enfants, Sylvain a suivi un cursus de 4 ans dans un foyer d'éducation utilisant la pédagogie du texte et a choisi ensuite de poursuivre sa formation dans une école publique formelle. Je pourrais dire que c'est un enfant vraiment qui brille presque dans toutes les matières. Que ce soit en problème ou bien en langue, il a toujours eu de bonnes notes. Voilà. C'est ça qui fait la différence avec les autres élèves. Et puis en calcul, il arrive souvent qu'il ressort des solutions même en dehors de ce que le maître lui montre. Il arrive à bien suivre les cours, il travaille bien dans les travaux de groupe, il aime partager ses connaissances avec ses camarades. C'est certainement lié à l'approche pédagogique qu'ils utilisaient dans les foyers d'éducation. Les effets de la pédagogie du texte vont bien au-delà de la salle de classe. Un exemple marquant est le fait que beaucoup de jeunes qui ont suivi cet enseignement sont motivés à contribuer au développement de leur communauté. Yo estudié acá en la escuela de San José Peña Blanca con el sistema de la pedagogía del texto y gracias a ello pude seguir mis estudios en el pueblo, estudiando lo que es los recursos naturales y ingeniería forestal. Y ahora he vuelto acá en la aldea para poder compartir las experiencias y los conocimientos que he podido lograr allá para poder darles alternativas con cultivos. Esos ejercicios son los procesos que como Ministerio de Educación hemos observado y que es necesario replicarlas, aplicarlas en 50 escuelas en Alta Verapaz. Es para nosotros un proceso que para en el futuro pensaríamos tener un enfoque curricular para los departamentos según su contexto. Mejor si es como la pedagogía del texto, que permite desarrollar capacidades desde el pensamiento de los pueblos, por supuesto, sin dejar por un lado los conocimientos universales que también son fundamentales para todos. Je dirais que la pédagogie du texte vient comme une alternative à la résolution des mots dont souffrent les systèmes éducatifs africains dans leur ensemble et celui du Burkina Faso de façon particulière. C'est pourquoi aujourd'hui, les autorités politiques en charge de l'éducation sont dans la dynamique de réforme de l'éducation. Et cela s'est traduit concrètement par une formation récente de plus de 40 cadres du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation afin de les doter de compétences en termes donc de suivi et d'évaluation des activités d'éducation des adultes sur le terrain, et cela de façon pratique. Les résultats de la mise en œuvre de la pédagogie du texte sur le terrain, aussi bien avec les enfants, les jeunes et les adultes, montrent bien que nous avons des solutions concrètes et efficaces pour améliorer la qualité de l'éducation. Mais pour mettre ces solutions à une plus grande échelle, il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de remises en cause. Mais en vérité, la qualité de l'éducation, c'est un travail collectif. C'est un travail qui concerne plusieurs acteurs, les parents, les animateurs, les formateurs, les politiciens, les cadres. Tous doivent travailler ensemble. কখনো জানি আমাদের ঘরে অভাব থাকে না, তাই আমি বড় হয়ে কিছু করতে চাই। লেখাপড়াটা আমার সবচেয়ে অনেক বড় জিনিস।